Bonjour à tous, c'est bientôt l'épiphanie, alors pour fêter ça comme il se doit, aujourd'hui je vous propose une recette de la très célèbre galette des rois, mais en version végane. Pour cela, il vous faut 2 pâtes feuilletées au beurre végétal, 325 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, 50 g de fécule de maïs, 200 ml de crème végétale, 1 cuillère à café d'amande amère, 2 cuillères à soupe de lait végétal et 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Dans un saladier, versez la poudre d'amande, le sucre, la fécule, la crème végétale, 2 cuillères à soupe d'huile, deux cuillères à soupe de lait végétal et une cuillère à café d'amande amère. Mélangez tout ça à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir une pâte homogène. Puis réservez. Étalez une pâte feuilletée dans un plat à tarte. Gardez le papier cuisson pour ne pas qu'elle adhère au fond du plat. Découpez l'excédent. Et piquez-la avec une fourchette. Versez ensuite la frangipane sur la pâte feuilletée. Et insérez votre fève en évitant le centre. Étalez la seconde pâte feuilletée. Et découpez un cercle légèrement plus grand que le diamètre de votre plat. Recouvrez votre préparation avec cette deuxième pâte et collez les bords pour qu'elle soit bien fermée. À l'aide d'un couteau, éventrez la pâte en forme d'épi. Et passez un peu de lait au pinceau pour la faire briller pendant la cuisson. Préchauffez votre four à 200 degrés. C'est optionnel, mais vous pouvez également vous servir des chutes de pâte feuilletée pour lui donner un peu de relief. Puis enfournez pendant 20 à 25 minutes. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, à vous de tirer les rois. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao !